Donc, on va donc noter tout cela. Donc, s'il vous plaît. Donc, j'espère que vous avez compris ça. Mais pourquoi exactement on a ça? Parce que R1 et R2 ont le même origine. Parce que R1 fait tourner R2 et R2 lui-même a sa rotation. C'est pour cette raison oméga 1 plus oméga 2 suivant K. Pourquoi suivant K? Bah, parce que ça suivant K et ça suivant K. Voilà. Donc ça, c'est pas général. C'est dans notre cas. Attention, c'est dans notre cas qu'on a ça. Ok? Donc, maintenant, on va essayer de répondre à notre question. Donc, il est demandé de retrouver la vitesse absolue et l'accélération absolue par calcul direct, et puis de comparer les valeurs trouvées aux résultats 1 et 2. Donc, pour ce qui concerne la vitesse, donc d'abord, donc ça veut dire qu'il faut déterminer la vitesse du point M sur R directement. Faites comme si vous ne savez pas la composition du mouvement. Donc voilà le vecteur position OM. Donc j'espère que vous avez compris le schéma. Je vous conseille de voir les parties précédentes, la partie où il y a l'énoncé, la première partie, par 1, 2, 3, 4, je ne sais pas. Donc, il y a bien sûr, on a expliqué bien le schéma. Donc, la vitesse de M par rapport à R, c'est quoi? Donc, c'est DOM sur DT sur R. Et on a OM, bon voilà OM. OM est égal, d'après Charles, c'est OO1 plus O1M. C'est OO1 plus O1M. OO1 d'après les données. C'est... Donc d'après les données, je crois que c'est ATK. Oui. AT suivant K. Et puis O1M, c'est roue suivant euro. Voilà la distance. Bon, là, la distance euro suivant euro. Roue, bon, ça roue suivant euro. Donc, est égal D de O1 sur TT par rapport à R plus DO1M sur TT par rapport à R. DO1 sur TT par rapport à R. OO1 c'est ATK. Avec A c'est une constante et T c'est le temps. Puisque K appartient à R, alors sa dérivée c'est 0. Il est fixe. Donc ça me donne tout simplement AK. Pour ce qui concerne celui-là, donc ça on va utiliser, bon, dans un premier temps c'est roue point, euro plus. Bon là il faut faire attention. C'est roue. Donc avec ce T euro sur TT par rapport à R, il faut faire attention. Il faut faire attention. Donc, si c'était, si on avait des euros, bon, pour ces deux euros sur DT par rapport à R, on a fait tous les rappels. On a donné dans un premier temps la relation de Monsieur Varignon. On a donné la relation de Monsieur Varignon pour ça. Et on a fait les rappels sur l'oméga et tout ça pour cette raison.
Pour ce qui concerne d€ sur dt par rapport à r, si vous me dites que ça est égal à phi point suivant phi, eh bien c'est que vous avez tort. Vous avez absolument tort. Vous avez absolument tort. Ça c'est par rapport à r. C'est pas par rapport à r1. d€ sur dt par rapport à r1 est égal à phi point suivant phi. Ça, juste. Si c'était par rapport à r1. Ça, je suis d'accord avec vous. J'ai là r. Donc, voilà r1. Cette base, elle est en rotation. Elle est en rotation par rapport à R1. R1, il est en rotation par rapport à R. Cette base, ce référentiel, bon, je vais dire avant ce référentiel, il est, bon, où cette base, bon, la base euro phi, c'est en, elle fait une rotation par rapport à R1. Et R1 fait une rotation par rapport à R. Ça veut dire que la rotation de ça, comme on a dit, oméga de R2 par rapport à R, c'est oméga 1 plus oméga 2 suivant. Donc on va essayer d'encore expliquer mieux les choses. Donc, comment expliquer ça? Donc, j'espère que vous allez bien le comprendre. Donc, on va utiliser la relation de monsieur, donc, monsieur Varignon. Donc, je parle sur R. Donc, je vais écrire la relation. Et j'espère que ça sera clair. Je pense comment expliquer les choses, c'est ça, donc. Donc, d€ sur